Salut les ML, soyez les bienvenus donc ici pour le mariage de ce week-end où je vais vous présenter tout le matériel que nous avons utilisé. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on a rajouté des choses, enfin vous allez voir. Alors avant que je vous montre tout ça, abonne-toi à la chaîne et la petite cloche aussi, hein, d'accord? Voilà, et on se retrouve juste après. À toutes! Alors voilà, donc nous sommes dans une salle des fêtes. Alors il faut savoir que les salles des fêtes, moi c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Dans les salles des fêtes, il y a toujours des scènes. Et les scènes, moi je suis vraiment pas fan d'être sur scène et ensuite animer la soirée sur scène en fait. Que les mariés, c'est eux qu'il faut mettre en avant et c'est pas nous quoi. Alors sur scène, c'est très très bien quand on fait une soirée disco, etc. Mais pas pour un mariage. Du coup, on a travaillé par zoning. C'est-à-dire qu'on a fait une zone dance floor et une zone repas. Et là où je me trouve, c'est la zone repas. Et du coup, ce qu'ils ont fait les mariés, eh ben, ils ont loué des rideaux à LED. Ils ont caché, donc tout simplement, la scène par des rideaux. Alors, je vous présente le matériel. Donc aujourd'hui, on a mis 6 totems avec les machines posées dessus. Et la nouveauté de cette semaine, c'est on va faire de la vidéo. Donc il y a 2 caméras qui sont reliées avec un système de joystick. On va pouvoir les diriger, filmer les gens, filmer le DJ. Donc tout ça, je vous montrerai vraiment en cours de soirée, vraiment dans la soirée. Voilà. Merci d'être fidèle. N'hésitez pas à commenter, un petit pouce, abonne-toi à la chaîne, une petite cloche, comme ça tu seras au courant des futures vidéos. Voilà, je vais y arriver. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.